Poucet. Poucet, Amadine et Elzéa contemplent le feu. Les flammes s'agitent et s'étirent comme des fantômes lumineux. Une foule de petits bruits s'échappe de la forêt. Tout près. C'est un peu inquiétant. Poucet plongea la main dans sa poche pour sentir la fourrure de petit Poucet sur ses doigts. D'habitude, ce geste la rassure, mais cette fois, c'est le contraire. Parce que petit Poucet n'était pas là. Que se passe-t-il, Poucet? Tu es plus pâle que la lune, remarque Elzéa. Poucet a des nœuds dans l'estomac. Mon chien a disparu, bégaye-t-il.